بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une sourate que nous avons révélée et que nous avons prescrite et dans laquelle nous avons révélé des signes explicites. Peut-être vous rappellerez-vous. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. La fornicatrice et le fornicateur, infligez-leur chacun 100 coups de fouet. Et ne laissez pas votre pitié pour eux entraver votre obéissance envers Dieu, si vous croyez en lui et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une polythéiste. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un polythéiste. Une telle union est interdite aux croyants. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Et ceux qui portent des accusations contre des femmes honorables, sans pouvoir produire 4 témoins, infligez-leur 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leurs témoignages, car ce sont des transgresseurs. À l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et s'amendent. Envers cela, Dieu est pardonneur et miséricordieux. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Ceux qui portent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, ils doivent témoigner par 4 fois au nom de Dieu
qu'ils sont du nombre des véridiques. Ils doivent en outre, par une cinquième formule, invoquer sur eux-mêmes la malédiction de Dieu s'ils sont du nombre des menteurs. Et à la femme, on n'infligera pas le châtiment si elle atteste par quatre fois, au nom de Dieu, que son mari est certainement du nombre des menteurs. Et par une cinquième formule, elle invoquera sur elle la colère de Dieu si son mari dit la vérité. Ces dispositions témoignent de la grâce de Dieu et de sa miséricorde envers vous. Dieu est indulgent et sage. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. C'est un groupe d'entre vous qui a propagé la calomnie. Ne pensez pas que ce soit une mauvaise chose pour vous. C'est plutôt une bonne chose. Chacun d'entre eux sera rétribué pour ce péché qu'il a commis. Quant au principal auteur de cette calomnie, il subira un terrible châtiment. Pourquoi donc les croyants et les croyantes, en entendant cette calomnie, n'ont-ils pas en eux-mêmes présumé le meilleur de leurs semblables ? Que n'ont-ils pas dit, tout simplement, « C'est un mensonge évident » ? Pourquoi n'ont-ils pas produit quatre témoins, comme ils n'ont pu le faire ? Ils ne sont autres que des menteurs aux yeux de Dieu. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. N'eût été de la grâce de Dieu et de sa miséricorde envers vous, ici-bas comme dans l'au-delà, un terrible châtiment se serait abattu sur vous à cause de ces commérages que vous avez colportés. Vous vous transmettiez des ragots de bouche en bouche et avanciez des affirmations dont vous n'aviez nulle connaissance. Et vous preniez tout cela à la légère, tandis qu'aux yeux de Dieu, la chose était très grave. Pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas « Nous ferions mieux de ne pas en parler. Gloire à Dieu, quelle odieuse calomnie !» يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Dieu vous exhorte à ne plus jamais répéter pareil comportement. Si vous êtes vraiment croyant, et il vous expose clairement les signes, et il est omniscient et sage.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Ceux qui aiment voir des calomnies circuler au sujet des croyants recevront un douloureux châtiment en ce monde et dans l'au-delà. Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. N'eût été de la grâce de Dieu et de sa miséricorde envers vous, vous auriez été ruinés. Mais Dieu est indulgent et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ô vous qui croyez, ne suivez point les traces de Satan, car quiconque suit ses traces se voit entraîné dans la turpitude et le mal. N'eût été de la grâce de Dieu et de sa miséricorde envers vous. Aucun d'entre vous n'aurait jamais été purifié, mais Dieu purifie de ses péchés qui il veut. Il sait tout et entend tout. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Que ceux d'entre vous qui jouissent d'un statut supérieur et qui vivent dans l'aisance ne jurent point de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui ont fui leur demeure pour la cause de Dieu. Qu'ils pardonnent et se montrent indulgents. Ne souhaitez-vous pas vous-même que Dieu vous pardonne? Dieu est pardonneur et miséricordieux. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Ceux qui calomnient des femmes croyantes qui, fortes de leur vertu, ne se soucient guère des apparences, ceux-là sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et leur châtiment sera terrible. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Dieu leur donnera leur pleine et juste rétribution, et ils sauront alors que Dieu est la vérité éclatante. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Les femmes impures aux hommes impurs,
et les hommes impurs aux femmes impures. De même, les femmes vertueuses aux hommes vertueux, et les hommes vertueux aux femmes vertueuses. Car ils sont innocents de ce que les autres disent à leur sujet. Pour eux, il y a un pardon et de généreux moyens de subsistance. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant d'en demander la permission. Et de saluer leurs habitants. Cela est plus convenable pour vous. Peut-être ferez-vous attention. Et si vous n'y trouvez personne, alors abstenez-vous d'y entrer sans en avoir obtenu la permission préalable. Et si on vous dit, allez-vous-en, alors partez. Cela est plus pur pour vous. Dieu est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Ce n'est pas un péché pour vous que de pénétrer dans des demeures inhabitées pour y jouir de quelques commodités. Dieu connaît parfaitement ce que vous divulguez, de même que ce que vous dissimulez. Dis aux croyants de tenir leur regard baissé et de préserver leur chasteté. C'est bien plus pur pour eux. Nul doute que Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et dit aux croyantes de baisser leurs regards, de préserver leur chasteté, et de ne montrer de leur beauté et de leur ornement que ce qui en paraît ordinairement. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles n'étalent leurs atours que devant leur mari, leur père, leur beau-père, leur fils, leur beau-fils, leurs frères, leurs neveux, les femmes musulmanes, leurs esclaves, leurs serviteurs mâles,
incapables de désirs charnels, et les enfants qui ignorent tout de la signification des parties cachées des femmes, et qu'elles évitent de frapper le sol avec leurs pieds en marchant, de façon à révéler leurs ornements. Et tournez-vous tous vers Dieu, ô croyants, afin de récolter le succès. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Mariez les célibataires d'entre vous et les pieux parmi vos esclaves des deux sexes. S'ils sont pauvres, sachez que Dieu les enrichira par sa grâce, car la grâce de Dieu est immense et il est omniscient. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Et que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Dieu les enrichisse par sa grâce. Par ailleurs, rédigez avec ceux de vos esclaves qui en expriment le désir un contrat d'affranchissement, si vous trouvez du bien en eux, et accordez-leur une part des biens dont Dieu vous a pourvu. Et dans votre recherche des profits éphémères de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles entendent demeurer chastes. Mais si jamais elles y sont forcées, Dieu leur accorde après cette contrainte son pardon et sa miséricorde. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Nous avons effectivement fait descendre pour vous des révélations claires, des exemples tirés de la vie de ceux qui vous ont précédés, ainsi qu'une exhortation pour les pieux. Allah nuru as-samawati wal-ard. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est incluse dans un récipient de verre, lequel ressemble à une étoile, brillant avec éclat et tirant sa flamme d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble presque éclairée sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide qui il veut vers sa lumière. Il propose aux hommes ses paraboles, et il est omniscient.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Cette lampe éclaire des demeures que Dieu a permis que l'on élève pour que son nom y soit invoqué et où le glorifie matin et soir. Des hommes que ni le négoce ni les transactions ne sauraient distraire de l'invocation de Dieu, de l'accomplissement assidu des prières et de l'acquittement de l'aumône, et qui redoutent le jour où les cœurs ainsi que les yeux se révulseront d'épouvante. Cela, afin que Dieu les récompense pour les meilleurs de leurs œuvres et leur accorde un supplément de sa grâce. Dieu attribue ses dons à qui il veut, sans compter. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Quant à ceux qui ne croient pas, leurs actions sont comme un mirage dans le désert que l'assoiffé prend pour de l'eau. Quand il y parvient, il s'aperçoit qu'il n'y avait rien, mais il y trouve Dieu qui lui règle son compte en entier. Dieu est prompt à régler les comptes. Les actions des mécréants sont encore semblables à des pestes ténèbres dans une vaste mer abyssale. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, au-dessus desquelles se trouvent des épais nuages. Ténèbres superposées les unes au-dessus des autres, où l'homme, étendant la main, put à peine la distinguer. Celui que Dieu prive de lumière n'a aucune lumière. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Ne vois-tu pas que Dieu est glorifié par tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, de même que par les oiseaux déployant leurs ailes, chacun d'eux sait l'adorer et le glorifier. Et Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. C'est à Dieu qu'appartient le royaume des cieux et de la terre, et c'est vers lui que tout finira par retourner. ألم تر أن
أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Ne vois-tu pas que Dieu pousse doucement les nuages, ensuite il les réunit et en fait des monceaux. Et tu peux alors voir la pluie sortir de leur sein. Et du ciel, il fait descendre de la grêle provenant de nuages comparables à des montagnes. Il en frappe qui il veut et décarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclair l'accompagnant ne ravisse la vue par son éclat. Et Dieu fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui savent observer. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط Dieu a créé tout animal à partir de l'eau. Il en est parmi eux qui rampent sur le ventre, d'autres qui marchent sur deux pattes et d'autres encore qui marchent sur quatre pattes. Dieu crée ce qu'il veut et il est certes tout-puissant. Nous avons certes fait descendre des signes explicites et Dieu guide qui il veut vers le droit chemin. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Et ils disent: Nous croyons en Dieu et en son messager, et nous leur obéissons. Mais après cela, une partie d'entre eux se détourne, ce ne sont pas des croyants. Et quand ils sont cités devant Dieu et son messager, pour que celui-ci juge entre eux. Voilà que certains refusent de venir. Si cependant, ils se trouvent avoir raison, ils accourent de leur plein gré. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou sont-ils dans le doute? Ou craignent-ils d'être traités injustement par Dieu et son messager? En vérité, ce sont eux les injustes. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. La seule parole des véritables croyants lorsqu'ils sont cités devant Dieu et son messager, pour que celui-ci juge entre eux est « Nous avons entendu et nous obéissons ». Voilà ceux qui réussissent. Quiconque obéit à Dieu et à son messager, craint Dieu et se prémunit envers lui, voilà ceux qui récoltent le succès. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Ils jurent par Dieu, en serment solennel, que si tu le leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr pour se rendre au combat. Dis, ne jurez donc pas, il est préférable d'obéir. Certes, Dieu est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. Dis, obéissez à Dieu et à son messager. Si vous vous détournez, sachez que le messager n'est responsable que de ce dont il est chargé, et que vous êtes responsable de ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez alors bien guidé. La seule mission du messager est de vous transmettre clairement le message. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'il leur donnerait le pouvoir sur cette terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, qu'il établirait fermement la religion qu'il a choisie pour eux et qu'ils changeraient leur peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien, et ceux qui après cela renient leur foi, les voilà les mécréants. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Accomplissez assidûment la prière, acquittez la zakat et obéissez au messager. Peut-être sera-t-on miséricordieux envers vous. Ne pense pas que les mécréants puissent jamais s'opposer à l'autorité de Dieu sur terre. Le feu sera leur demeure, et quelle mauvaise destination. Ya
أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ô vous qui croyez, que vos esclaves et ceux des vôtres qui n'ont pas atteint la puberté demandent permission avant d'entrer dans vos appartements à trois moments de la journée. Avant la prière de l'aube, à l'heure où vous enlevez vos vêtements pour la sieste de l'après-midi, et après la prière du soir, trois occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, ce n'est pas un péché pour eux, ni pour vous d'aller et venir les uns chez les autres. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses révélations, et il est omniscient et sage. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent la permission avant d'entrer, comme le font leurs aînés. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses révélations, et il est omniscient et sage. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. Quant aux femmes qui atteignent la ménopause et qui n'espèrent plus le mariage, ce n'est pas un péché pour elles d'enlever leurs vêtements de sortie, sans cependant exhiber leurs atours. Mais il demeure préférable pour elles de s'en abstenir. Dieu est celui qui entend tout et qui sait tout. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, aux boiteux et aux malades de manger à vos tables. Pas plus qu'il ne vous est interdit de vous recevoir mutuellement ou de manger à la table de vos pères et mères, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles et de vos tantes paternelles, de vos oncles et de vos tantes maternelles, de même qu'à la table des maisons dont vous possédez les clés ou à la table d'un ami. Nul empêchement à vous non plus de manger ensemble ou séparément. Lorsque vous entrez dans une demeure, saluez-vous mutuellement en disant « Salam », une salutation venant du Seigneur, bénie et agréable. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses révélations, afin que vous compreniez. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله Seuls sont véritablement croyants ceux qui croient en Dieu et en son messager, et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Dieu et en son messager. Si donc ils te demandent la permission de partir pour quelque affaire personnelle, tu peux la leur accorder ou la leur refuser à ton gré. Et implore le pardon de Dieu pour eux. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ne considérez pas les convocations du messager au même niveau que celles que vous vous faites entre vous. Dieu connaît bien ceux des vôtres qui s'esquivent en catimini. Et que ceux qui défient les ordres du messager prennent garde qu'une épreuve ou un douloureux châtiment ne s'abatte sur eux. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'un ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu. Wallahu bi kulli shay'in 'alim. C'est à Dieu vraiment qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il connaît parfaitement vos intentions. Et il sait quel jour les hommes seront ramenés vers lui. Il les informera alors de ce qu'ils œuvraient, et il est omniscient.